Eh bien, je vais commencer la lecture. Donc, on en est au chapitre 11 et ça s'appelle le Nautilus. Alors, c'est parti. Le capitaine Nemo se leva. Je le suivis. Une double porte, ménagée à l'arrière de la salle, s'ouvrit et j'entrai dans une chambre de dimension égale à celle que je venais de quitter. C'était une bibliothèque, de hauts meubles en palissandre noir, incrustés de cuivre, supportaient sur leurs larges rayons un grand nombre de livres uniformément reliés. Ils suivaient le contour de la salle et se terminaient à leur partie inférieure par de vastes divans, capitonnés de cuir marron, qui offraient les courbes les plus confortables. De légers pupitres mobiles, en s'écartant ou se rapprochant à volonté, permettaient d'y poser le livre en lecture. Au centre se dressait une vaste table, couverte de brochures, entre lesquelles apparaissaient quelques journaux déjà vieux. La lumière électrique inondait tout cet harmonieux ensemble et tombait de quatre globes dépolis à demi engagés dans les volutes du plafond. Je regardais avec une admiration réelle cette salle si ingénieusement aménagée, et je ne pouvais en croire mes yeux. « Capitaine Nemo, » dis-je à mon hôte, qui venait de s'étendre sur un divan, « voilà une bibliothèque qui ferait honneur à plus d'un palais des continents, et je suis vraiment émerveillé quand je songe qu'elle peut vous suivre au plus profond des mers. » « Où trouverait-on plus de solitude, plus de silence, monsieur le professeur ?» répondit le capitaine Nemo. « Votre cabinet du muséum vous offre-t-il un repos aussi complet ?»« Non, monsieur, et je dois ajouter qu'il est bien pauvre auprès du vôtre. Vous possédez là 6 ou 7 000 volumes. »« 12 000, monsieur Aronnax, ce sont les seuls liens qui me rattachent à la Terre. Mais le monde a fini pour moi le jour où mon Nautilus s'est plongé pour la première fois sous les eaux. Ce jour-là, j'ai acheté mes derniers volumes, mes dernières brochures, mes derniers journaux, et depuis lors, je veux croire que l'humanité n'a plus ni pensé, ni écrit. Ces livres, monsieur le professeur, sont d'ailleurs à votre disposition, et vous pourrez en user librement. » Je remerciai le capitaine Nemo, et je m'approchai des rayons de la bibliothèque. Livres de science, de morale et de littérature, écrits en toute langue, y abondaient, mais je ne vis pas un seul ouvrage d'économie politique. Il semblait être sévèrement proscrit du bord. Détail curieux, tous ces livres étaient indistinctement classés, en quelque langue qu'ils fussent écrits, et ce mélange prouvait que le capitaine du Nautilus devait lire couramment les volumes que sa main prenait au hasard. Parmi ces ouvrages, je remarquai les chefs-d'œuvre des maîtres anciens et modernes, c'est-à-dire tout ce que l'humanité a produit de plus beau dans l'histoire. La poésie, le roman et la science, depuis Homère jusqu'à Victor Hugo, depuis Xénophon ou Xénophone, je ne sais pas comment on dit, excusez-moi, jusqu'à Michelet, depuis Rabelais jusqu'à Madame Sand. Mais la science, plus particulièrement, faisait les frais de cette bibliothèque. Les livres de mécanique, de balistique, d'hydrographie, de météorologie, de géographie, de géologie, etc. Il tenait une place non moins importante que les ouvrages d'histoire naturelle, et je compris qu'il formait la principale étude du capitaine. Je vis là tout le Humboldt, tout l'Arago, les travaux de Foucault, d'Henri Sainte-Claire de Ville de Chasles, d'Emile Edouard, de Quatrefages, de Tyndall, de Faraday, de Berthelot, de l'abbé Séchy, de Petermann, du commandant Maury, d'Agassiz, etc. Les mémoires de l'Académie des sciences, les bulletins des diverses sociétés de géographie, etc. Et, en bon rang, les deux volumes qui m'avaient peut-être valu cet accueil relativement charitable du capitaine Nemo. Parmi les œuvres de Joseph Bertrand, son livre intitulé « Les fondateurs de l'astronomie » me donna même une date certaine. Et comme je savais qu'il avait paru dans le courant de 1865, je pus en
conclure que l'installation du Nautilus ne remontait pas à une époque postérieure. Ainsi donc, depuis 3 ans ou plus, le capitaine Nemo avait commencé son existence sous-marine. J'espérais, d'ailleurs, que des ouvrages plus récents encore me permettraient de fixer exactement cette époque, mais j'avais le temps de faire cette recherche, et je ne voulus pas retarder davantage notre promenade à travers les merveilles du Nautilus. « Monsieur, dis-je au capitaine, je vous remercie d'avoir mis cette bibliothèque à ma disposition. Il y a là des trésors de science, et j'en profiterai. »« Cette salle n'est pas seulement une bibliothèque, dit le capitaine Nemo, c'est aussi un fumoir. »« Un fumoir ? M'écriai-je, on fume donc à bord ?»« Sans doute. » « Alors, monsieur, je suis forcé de croire que vous avez conservé des relations avec la Havane. »« Aucune, » répondit le capitaine. « Acceptez ce cigare, monsieur Aronnax, et, bien qu'il ne vienne pas de la Havane, vous en serez content si vous êtes connaisseur. » Je pris le cigare qui m'était offert, et dont la forme rappelait celle du Londré, mais il semblait fabriqué avec des feuilles d'or. Je l'allumai à un petit brasero que supportait un élégant pied de bronze et j'aspirai ses premières bouffées avec la volupté d'un amateur qui n'a pas fumé depuis 2 jours. « C'est excellent, » dis-je, « mais ce n'est pas du tabac. »« Non, » répondit le capitaine, « ce tabac ne vient ni de la Havane ni de l'Orient. C'est une sorte d'algue riche en nicotine que la mer me fournit, non sans quelque parcimonie. Regrettez-vous les Londrés, monsieur ?» « Capitaine, je les méprise à partir de ce jour. » Fumez donc à votre fantaisie et sans discuter l'origine de ces cigares. Aucune régie ne les a contrôlés, mais ils n'en sont pas moins bons, j'imagine. Au contraire. À ce moment, le capitaine Nemo ouvrit une porte qui faisait face à celle par laquelle j'étais entré dans la bibliothèque, et je passai dans un salon immense et splendidement éclairé. C'était un vaste quadrilatère, à pans coupés, long de 10 mètres, large de 6, haut de 5, un plafond lumineux, décoré de légères arabesques, distribuait un jour clair et doux sur toutes les merveilles entassées dans ce musée. Car c'était réellement un musée dans lequel une main intelligente et prodigue avait réuni tous les trésors de la nature et de l'art, avec ce pêle-mêle artiste qui distingue un atelier de peintre. Une trentaine de tableaux de maîtres, à cadre uniforme, séparés par d'étincelantes panoplies, ornaient les parois tendues de tapisseries d'un dessin sévère. Je vis là des toiles de la plus haute valeur et que, pour la plupart, j'avais admirées dans les collections particulières de l'Europe et aux expositions de peinture. Les diverses écoles des maîtres anciens étaient représentées par une Madone de Raphaël, une Vierge de Léonard de Vinci, une nymphe du Corrège, une femme du Titien, une Adoration de Véronèse, une Assomption de Murillo, un portrait d'Holbein, un moine de Velasquez, un martyr de Ribera, une kermesse de Rubens, 2 paysages flamands de Teniers, 3 petits tableaux de genre de Gérardot, de Metsu, de Paul Potter ou Paul Potter, 2 toiles de Géricault et de Prudhon. Quelques marines de Bakhuizen et de Vernet. Parmi les œuvres de la peinture moderne apparaissaient des tableaux signés Delacroix, Ingres, Descamps, Troyon, Meissonier, Daubigny, etc. Et quelques admirables réductions de statues de marbre ou de bronze, d'après les plus beaux modèles de l'Antiquité, se dressaient sur leurs piédestaux dans les angles de ce magnifique musée. Cet état de stupéfaction que m'avait prédit le commandant de Nautilus commençait déjà à s'emparer de mon esprit. « Monsieur le professeur, dit alors cet homme étrange, vous excuserez le sans-gêne avec lequel je vous reçois et le désordre qui règne dans ce salon. Monsieur, répondis-je, sans chercher à savoir qui vous êtes, m'est-il permis de reconnaître en vous un artiste ? Un amateur tout au plus, monsieur. J'aimais autrefois à collectionner ces belles œuvres créées par la main de l'homme. J'étais un chercheur avide, un fureteur infatigable, et j'ai pu réunir quelques objets d'un haut prix.
ce sont mes derniers souvenirs de cette terre qui est morte pour moi. À mes yeux, vos artistes modernes ne sont déjà plus que des anciens. Ils ont 2 ou 3 000 ans d'existence et je les confonds dans mon esprit. Les maîtres n'ont pas d'âge. Et ces musiciens, dis-je en montrant des partitions de Weber, de Rossini, de Mozart, de Beethoven, d'Haendel, de Meyerbeer, d'Erol, de Wagner, d'Aubert, de Goodnod et nombre d'autres éparses sur un pianorgue de grand modèle qui occupait un des panneaux du salon. Ces musiciens, me répondit Capitaine Nemo, ce sont des contemporains d'Orphée, car les différences chronologiques s'effacent dans la mémoire des morts. Et je suis mort, monsieur le professeur, aussi bien mort que ceux de vos amis qui reposent à 6 pieds sous terre. Le capitaine Nemo se tut et sembla perdu dans une rêverie profonde. Salut, Michap. Je le considérais avec une vive émotion, analysant en silence les étrangetés de sa physionomie, accoudé sur l'angle d'une précieuse table de mosaïque, il ne me voyait plus, il oubliait ma présence. Je respectais ce recueillement et je continuais de passer en revue les curiosités qui enrichissaient ce salon. Auprès des œuvres de l'art, les raretés naturelles tenaient une place très importante. Elles consistaient principalement en plantes, en coquilles et autres productions de l'océan, qui devait être les trouvailles personnelles du capitaine Nemo. Au milieu du salon, un jet d'eau électriquement éclairé retombait dans une vasque faite d'un seul tridacne. Cette coquille, fournie par le plus grand des mollusques acéphales, mesurait sur ses bords, délicatement festonnés, une circonférence de 6 mètres environ. Elle dépassait donc en grandeur ses beaux tridacnes. Oula, c'est dur. Elle dépassait donc en grandeur ces beaux tridacnes qui furent donnés à François Ier par la République de Venise et dont l'église Saint-Sulpice à Paris a fait 2 bénitiers gigantesques. Bonsoir. Autour de cette vasque, sous d'élégantes vitrines fixées par des armatures de cuivre, étaient classés et étiquetés les plus précieux produits de la mer qui eussent jamais été livrés au regard d'un naturaliste. On conçoit ma joie de professeur. L'embranchement des zoophytes offrait de très curieux spécimens de ces deux groupes, des polypes et des échinodermes. Dans le premier groupe, des tubipores, des gorgones disposées en éventail, des éponges douces de Syrie, des isis, des mollusques, des pénatules, une virgulaire admirable des mers de Norvège, des ombellulaires variés, des alcyonaires, toute une série de ces madrépores que mon maître Milne Edward a si sagacement classés en sections, et parmi lesquels je remarquais d'adorables flabellines, des oculines de l'île Bourbon, le char de Neptune, des Antilles, de superbes variétés de coraux. Enfin, toutes les espèces de ces curieux polypiers dont l'assemblage forme des îles entières qui deviendront un jour des continents. Dans les échinodermes, remarquables par leurs enveloppes épineuses, les astéries, les étoiles de mer, les pentacrines, les comatules, les astérophons, les oursins, les holothuries, etc., représentait la collection complète des individus de ce groupe. Ah bah, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de mots et de noms, là, il y a du vocabulaire, je pense qu'un dictionnaire serait pas de refus. Un conchiliologue un peu nerveux se serait pâmé certainement devant d'autres vitrines plus nombreuses où étaient classés les échantillons de l'embranchement des mollusques. Je vis là une collection d'une valeur inestimable et que le temps me manquerait à décrire tout entière. Parmi ces produits, je citerai, pour mémoire seulement, l'élégant marteau royal de l'océan Indien dont les régulières taches blanches ressortaient vivement sur un fond rouge et brun. Un spondyle impérial, aux vives couleurs,
tout hérissé d'épines, rare spécimen dans les muséums européens, et dont j'estimais la valeur à 20 000 francs, un marteau comme un des maires de la Nouvelle-Hollande qu'on se procure difficilement. Des buccardes exotiques du Sénégal, fragiles coquilles blanches à double valve qu'un souffle eût dissipé comme une bulle de savon, plusieurs variétés des arrosoirs de Java, sortes de tubes calcaires bordés de replis foliacés et très disputés par les amateurs, toute une série de trocs, les uns jaunes verdâtres, pêchés dans les mers d'Amérique, les autres d'un brun roux, amis des eaux de la Nouvelle-Hollande, ceux-ci venus du golfe du Mexique, et remarquables par leurs coquilles imbriquées, ceux-là des stellaires trouvés dans les mers australes et enfin le plus rare de tous, le magnifique éperon de la Nouvelle-Zélande. Puis, d'admirables tellines sulfurées, de précieuses espèces de cythérée et de Vénus, le cadran treillissé des côtes de Trangbar, le sabot marbré à nacre resplendissante, les perroquets verts des mers de Chine, le cône presque inconnu du genre Conodouli, je vais réussir à le dire, toutes les variétés de porcelaine qui servent de monnaie dans l'Inde et en Afrique, la gloire de la mer, la plus précieuse coquille des Indes orientales, enfin des littorines, des dauphinules, des tueries telles des gentines, des ovules, des volutes, des olives, des mitres, des casques, des pourpres, des buquins, des arbres, des rochers, des tritons, des cérites, des fuseaux, des strombes, des pterocères, des patelles, des yales, des cléodores, coquillages délicats et fragiles, que la science a baptisé de ses noms les plus charmants. À part, et dans des compartiments spéciaux, se déroulaient des chapelets de perles de la plus grande beauté que la lumière électrique piquée de pointes de feu, des perles roses, arrachées aux pines marines de la mer Rouge, des perles vertes de l'haliotide iris, des perles jaunes, bleues, noires. Curieux produits des divers mollusques de tous les océans et de certaines moules des cours d'eau du Nord, enfin plusieurs échantillons d'un prix inappréciable qui avaient été distillés par les pintadines les plus rares. Quelques-unes de ces perles surpassaient en grosseur un œuf de pigeon, elles valaient, et au-delà, celles que le voyageur tavernier vendit 3 millions au chat de Perse et primait cette autre perle de l'Iman de Mascate que je croyais sans rival au monde. Ainsi donc, chiffrer la valeur de cette collection était, pour ainsi dire, impossible. Le capitaine Nemo avait dû dépenser des millions pour acquérir ces échantillons divers, et je me demandais à quelle source il puisait pour satisfaire ainsi ses fantaisies de collectionneur, quand je fus interrompu par ces mots. « Vous examinez mes coquilles, monsieur le professeur. » En effet, elles peuvent intéresser un naturaliste, mais pour moi, elles ont un charme de plus. Car je les ai toutes recueillies de ma main, et il n'est pas une mer du globe qui ait échappé à mes recherches. Je comprends, capitaine. Je comprends cette joie de se promener au milieu de telles richesses. Vous êtes de ceux qui ont fait eux-mêmes leur trésor. Aucun muséum de l'Europe ne possède une semblable collection des produits de l'océan. Mais si j'épuise mon admiration pour elles, que me restera-t-il pour le navire qui les porte ? Je ne veux point pénétrer des secrets qui sont les vôtres. Cependant, j'avoue que ce Nautilus, la force motrice qu'il renferme en lui, les appareils qui permettent de le manœuvrer, l'agent si puissant qui l'anime, tout cela excite au plus haut point ma curiosité. Je vois suspendu au mur de ce salon des instruments dont la destination m'est inconnue. Puis-je savoir ? Monsieur Aronnax, me répondit le capitaine Nemo. Je vous ai dit que vous seriez libre à mon bord, et par conséquent, aucune partie du Nautilus ne vous est interdite. Vous pouvez donc le visiter en détail et je me ferai un plaisir d'être votre cicérone. Je ne sais comment vous remercier, monsieur, mais je n'abuserai pas de votre complaisance. Je vous demanderai seulement à quel usage sont destinés ces instruments de physique. Monsieur le professeur, ces mêmes instruments se trouvent dans ma chambre, et c'est là que j'aurai le plaisir de vous expliquer leur emploi. Mais auparavant,
Venez visiter la cabine qui vous est réservée. Il faut que vous sachiez comment vous serez installé à bord du Nautilus. » Je suivis le capitaine Nemo, qui, par une des portes percées à chaque pan coupé du salon, me fit rentrer dans les coursives du navire. Il me conduisit vers l'avant, et là je trouvai, non pas une cabine, mais une chambre élégante, avec lit, toilette et divers autres meubles. Je ne pus que remercier mon hôte. « Votre jambe est contiguée à la mienne, » me dit-il, en ouvrant une porte, et la mienne donne sur le salon que nous venons de quitter. J'entrai dans la chambre du capitaine. Elle avait un aspect sévère, presque cénobitique. Une couchette de fer, une table de travail, quelques meubles de toilette, le tout éclairé par un demi-jour. Rien de confortable, le strict nécessaire seulement. Le capitaine Nemo me montra un siège. « Veuillez vous asseoir, » me dit-il. Je m'assis et il prit la parole en ces termes. Fin du chapitre 11 et début du chapitre 12. Tout par l'électricité. « Monsieur, » dit le capitaine Nemo, me montrant les instruments suspendus aux parois de sa chambre. Voici les appareils exigés par la navigation du Nautilus. Ici, comme dans le salon, je les ai toujours sous les yeux, et ils m'indiquent ma situation et ma direction exacte au milieu de l'océan. Les uns vous sont connus, tels que le thermomètre qui donne la température intérieure du Nautilus, le baromètre qui pèse le poids de l'air et prédit les changements de temps, l'hygromètre qui marque le degré de sécheresse de l'atmosphère, le stormglass, dont le mélange en se décomposant annonce l'arrivée des tempêtes, la boussole qui dirige ma route, le sextant qui, par la hauteur du soleil, m'apprend ma latitude, les chronomètres qui me permettent de calculer ma longitude, et enfin des lunettes de jour et de nuit qui me servent à scruter tous les points de l'horizon quand le Nautilus est remonté à la surface des flots. Ce sont les instruments habituels aux navigateurs, répondis-je, et j'en connais l'usage, mais en voici d'autres qui répondent sans doute aux exigences particulières du Nautilus. Ce cadran que j'aperçois et que parcourt une aiguille mobile, n'est-ce pas un manomètre ? C'est un manomètre, en effet, mis en communication avec l'eau dont il indique la pression extérieure. Il me donne par là même la profondeur à laquelle se maintient mon appareil. Et ces sondes d'une nouvelle espèce ? Ce sont des sondes thermométriques qui rapportent la température des diverses couches d'eau. Pardon. Et ces autres instruments dont je ne devine pas l'emploi. Ici, monsieur le professeur, je dois vous donner quelques explications, dit le capitaine Nemo. Veuillez donc m'écouter. Il garda le silence pendant quelques instants, puis il dit. Il est un agent puissant, obéissant, rapide, facile, qui se plie à tous les usages et qui règne en maître à mon bord. Tout se fait par lui. Il m'éclaire, il m'échauffe. Il est l'âme de mes appareils mécaniques. Cet agent, c'est l'électricité. L'électricité ? M'écriai-je assez surpris. Oui, monsieur. Cependant, capitaine, vous possédez une extrême rapidité de mouvement qui s'accorde mal avec le pouvoir de l'électricité. Jusqu'ici, sa puissance dynamique est restée très restreinte, et n'a pu produire que des petites forces. Monsieur le professeur, répondit le capitaine Nemo, mon électricité n'est pas celle de tout le monde, et c'est là tout ce que vous me permettrez de vous en dire. Je n'insisterai pas, monsieur, et je me contenterai d'être très étonné d'un tel résultat. Une seule question, cependant, à laquelle vous ne répondrez pas si elle est indiscrète. Les éléments que vous employez pour produire ce merveilleux agent doivent s'user vite. Le zinc, par exemple, comment le remplacez-vous, puisque vous n'avez plus aucune communication avec la Terre ? Votre question aura sa réponse, répondit le capitaine Nemo. Je vous dirai d'abord qu'il existe au fond des mers des mines de zinc, de fer, d'argent, d'or, dont l'exploitation serait très certainement praticable. Mais je n'ai rien emprunté à ces métaux de la terre, et j'ai voulu ne demander qu'à la mer, elle-même, les moyens de produire mon électricité. À la mer ? Oui, monsieur le professeur, et les moyens ne me manquaient pas.
J'aurais pu, en effet, en établissant un circuit entre des fils plongés à différentes profondeurs, obtenir l'électricité par la diversité de température qu'ils éprouvaient. Mais j'ai préféré employer un système plus pratique. Et lequel ? Vous connaissez la composition de l'eau de mer. Sur 1000 grammes, on trouve 96 centièmes et demi d'eau, et 2 centièmes 2 tiers environ de chlorure de sodium. Puis, en petite quantité, des chlorures de magnésium et de potassium, du bromure de magnésium, du sulfate de magnésie, du sulfate et du carbonate de chaux. Vous voyez donc que le chlorure de sodium s'y rencontre dans une proportion notable. Or, c'est ce sodium que j'extrais de l'eau de mer et dont je compose mes éléments, le sodium. Oui, monsieur, mélangé avec le mercure, il forme un amalgame qui tient lieu du zinc dans les éléments benzène. Le mercure ne s'use jamais, le sodium seul se consomme et la mer me le fournit d'elle-même. Je vous dirai, en outre, que les piles au sodium doivent être considérées comme les plus énergiques et que leur force électromotrice est double de celle des piles au zinc. Je comprends bien, capitaine, l'excellence du sodium dans les conditions où vous vous trouvez. La mer le contient, bien. Mais il faut encore le fabriquer, l'extraire en un mot. Et comment faites-vous ? Vos piles pourraient évidemment servir à cette extraction, mais si je ne me trompe, la dépense du sodium nécessitée par les appareils électriques dépasserait la quantité extraite. Il arriverait donc que vous en consommeriez pour le produire plus que vous n'en produiriez. Aussi, monsieur le professeur, je ne l'extrais pas par la pile et j'emploie tout simplement la chaleur du charbon de terre. De terre, dis-je en insistant. Disons le charbon de mer, si vous voulez, répondit le capitaine Nemo. Et vous pouvez exploiter des mines sous-marines de houille. Monsieur Aronnax, vous me verrez à l'œuvre. Je ne vous demande qu'un peu de patience, puisque vous avez le temps d'être patient. Rappelez-vous seulement ceci. Je dois tout à l'océan. Il produit l'électricité. Et l'électricité donne au Nautilus la chaleur, la lumière, le mouvement, la vie en un mot. Mais non pas l'air que vous respirez. Oh ! Je pourrais fabriquer l'air nécessaire à ma consommation. Mais c'est inutile puisque je remonte à la surface de la mer quand il me plaît. Cependant, si l'électricité ne me fournit pas l'air respirable, elle manœuvre, du moins, des pompes puissantes qui l'emmagasinent dans des réservoirs spéciaux, ce qui me permet de prolonger, au besoin et aussi longtemps que je le veux, mon séjour dans les couches profondes. « Capitaine, répondis-je, je me contente d'admirer. Vous avez évidemment trouvé ce que les hommes trouveront sans doute un jour, la véritable puissance dynamique de l'électricité. »« Je ne sais s'ils la trouveront, répondit froidement le capitaine Nemo. Quoi qu'il en soit, vous connaissez déjà la première application que j'ai faite de ce précieux agent. C'est lui qui nous éclaire avec une égalité, une continuité que n'a pas la lumière du soleil. Maintenant, regardez cette horloge. Elle est électrique et marche avec une régularité qui défie celle des meilleurs chronomètres. Je l'ai divisée en 24 heures, comme les horloges italiennes. Car pour moi, il n'existe ni nuit, ni jour, ni soleil, ni lune, mais seulement cette lumière factice que j'entraîne jusqu'au fond des mers. Voyez, en ce moment, il est 10 heures du matin. Parfaitement. Autre application de l'électricité. Ce cadran suspendu devant nos yeux sert à indiquer la vitesse du Nautilus. Un fil électrique le met en communication avec l'hélice du loch et son aiguille m'indique la marche réelle de l'appareil. Et, tenez-en ce moment, nous filons avec une vitesse modérée de 15 000 à l'heure. C'est merveilleux, répondis-je, et je vois bien, capitaine, que vous avez eu raison d'employer cet agent qui est destiné à remplacer le vent, l'eau et la vapeur. Nous n'avons pas fini. « Monsieur Aronnax, dit le capitaine Nemo en se levant. « Et si vous voulez me suivre, nous visiterons l'arrière du Nautilus. » En effet, je connaissais déjà toute la partie antérieure de ce bateau sous-marin. Donc voici la division exacte. En allant du centre à l'éperon, la salle à manger de 5 mètres séparée de la bibliothèque par une cloison étanche, c'est-à-dire ne pouvant être pénétrée par l'eau. La bibliothèque de 5 mètres, le grand salon de 10 mètres, séparé de la chambre du capitaine par une seconde cloison étanche, ladite chambre du capitaine de 5 mètres, la mienne de 2,50 mètres, et enfin un réservoir d'air de 7,50 mètres.
qui s'étendait jusqu'à l'étrave. Total 35 mètres de longueur, les cloisons étanches étaient percées de portes qui se fermaient hermétiquement au moyen d'obturateurs en caoutchouc, et elle assurait toute sécurité à bord du Nautilus, au cas où une voie d'eau se fût déclarée. Je suivis le capitaine Nemo à travers les coursives situées en abord, et j'arrivai au centre du navire. Là se trouvait une sorte de puits qui s'ouvrait entre deux cloisons étanches. Une échelle de fer, cramponnée à la paroi, conduisait à son extrémité supérieure. Je demandai au capitaine à quel usage servait cette échelle. « Elle aboutit au canot, » répondit-il. « Quoi ? Vous avez un canot ? » répliquai-je assez étonné. « Sans aucun doute. » Une excellente embarcation, légère et insubmersible, qui sert à la promenade et à la pêche. Mais alors, quand vous voulez vous embarquer, vous êtes forcé de revenir à la surface de la mer. Aucunement, ce canot adhère à la partie supérieure de la coque du Nautilus et occupe une cavité disposée pour le recevoir. Il est entièrement ponté, absolument étanche et retenu par de solides boulons. Cette échelle conduit à un trou d'homme percé dans la coque du Nautilus qui correspond à un trou pareil percé dans le flanc du canot. C'est par cette double ouverture que je m'introduis dans l'embarcation. On referme l'une, celle du Nautilus, je referme l'autre, celle du canot. Au moyen de vis de pression, je largue les boulons et l'embarcation remonte avec une prodigieuse rapidité à la surface de la mer. J'ouvre alors le panneau du pont, soigneusement clos jusque-là, je mate, je hisse ma voile ou je prends mes avirons et je me promène. Mais comment revenez-vous à bord ? Je ne reviens pas, monsieur Aronnax. C'est le Nautilus qui revient. À vos ordres. À mes ordres. Un fil électrique me rattache à lui, je lance un télégramme et cela suffit. Bonsoir, Nemo. En effet, dis-je grisé par ces merveilles, rien n'est plus simple. Après avoir dépassé la cage de l'escalier qui aboutissait à la plateforme, je vis une cabine longue de 2 mètres, dans laquelle Conseil et Ned Land, enchantés de leur repas, s'occupaient à le dévorer à belles dents. Puis, une porte s'ouvrit sur la cuisine longue de 3 mètres, située entre les vastes cambus du bord. Là, l'électricité, plus énergique et plus obéissante que le gaz lui-même, faisait tous les frais de la cuisson. Les fils arrivant sous les fourneaux communiquaient à des éponges de platine une chaleur qui se distribuait et se maintenait régulièrement. Elles chauffaient également des appareils distillatoires qui, par la vaporisation, fournissaient une excellente eau potable. Auprès de cette cuisine s'ouvrait une salle de bain, confortablement disposée et dont les robinets fournissaient l'eau froide ou l'eau chaude, à volonté. À la cuisine succédait le poste de l'équipage, long de 5 mètres, mais la porte en était fermée et je ne pus voir à son aménagement, qui m'eût peut-être fixé sur le nombre d'hommes nécessités par la manœuvre du Nautilus. Au fond s'élevait une quatrième cloison étanche qui séparait ce poste de la chambre des machines. Une porte s'ouvrit et je me trouvai dans ce compartiment où le capitaine Nemo, ingénieur de premier ordre, à coup sûr avait disposé ses appareils de locomotion. Merci pour ton follow, Nemo. Ça m'a fait peur, j'ai sursauté. Merci beaucoup. Cette chambre des machines, nettement éclairée, ne mesurait pas moins de 20 mètres en longueur. Elle était naturellement divisée en deux parties. La première renfermait les éléments qui produisaient l'électricité, et la seconde le mécanisme qui transmettait le mouvement à l'hélice. Je fus surpris, tout d'abord, de l'odeur sui generis. Qui emplissait ce compartiment. Le capitaine Nemo s'aperçut de mon impression. Ce sont, me dit-il, quelques dégagements de gaz produits par l'emploi du sodium. Mais ce n'est qu'un léger inconvénient. Tous les matins, d'ailleurs, nous purifions le navire en le ventilant à grand air. Cependant, j'examinais avec un intérêt facile à concevoir la machine du Nautilus. Vous le voyez, me dit le capitaine Nemo, j'emploie des éléments benzène et non des éléments Ruhmkorff. Ceux-ci eussent été impuissants. Les éléments benzène sont peu nombreux mais forts et grands, ce qui vaut mieux. Expérience faite. L'électricité produite se rend à l'arrière, où elle agit par des électroaimants de grande dimension
sur un système particulier de leviers et d'engrenages qui transmettent le mouvement à l'arbre de l'hélice. Celle-ci, dont le diamètre est de 6 mètres et le pas de 7,50 m, peut donner jusqu'à 120 tours par seconde. Et vous obtenez alors une vitesse de 50 000 à l'heure. Il y avait là un mystère, mais je n'insistais pas pour le connaître. Comment l'électricité pouvait-elle agir avec une telle puissance? Où cette force presque illimitée prenait-elle son origine? Était-ce dans sa tension excessive obtenue par des bobines d'une nouvelle sorte? Était-ce dans sa transmission qu'un système de levier inconnu pouvait accroître à l'infini? C'est ce que je ne pouvais comprendre. Capitaine Nemo, dis-je, je constate les résultats et je ne cherche pas à les expliquer. J'ai vu le Nautilus manœuvrer devant l'Abraham Lincoln et je sais à quoi m'en tenir sur ma vitesse. Sur sa vitesse. Mais marcher ne suffit pas. Il faut voir où l'on va. Il faut pouvoir se diriger à droite, à gauche, en bas, en haut. Comment atteignez-vous les grandes profondeurs? Où trouvez-vous une résistance croissante qui s'évalue par des centaines d'atmosphères? Comment remontez-vous à la surface de l'océan? Enfin, comment vous maintenez-vous dans le milieu qui vous convient? Suis-je indiscret en vous le demandant? Aucunement. Monsieur le professeur, me répondit le capitaine, après une légère hésitation. Puisque vous ne devez jamais quitter ce bateau sous-marin, venez dans le salon, c'est notre véritable cabinet de travail, et là, vous apprendrez tout. Tout ce que vous devez savoir sur le Nautilus. Fin du chapitre 12, et on va lire un dernier chapitre, le chapitre 13, qui s'appelle « Quelques chiffres ». On a déjà eu beaucoup de chiffres, et bien je pense qu'on va en avoir encore. Un instant après, nous étions assis sur un divan du salon, le cigare aux lèvres. Le capitaine mit sous mes yeux une épure qui donnait les plans, coupe et élévation du Nautilus. Puis il commença sa description en ces termes. Voici, monsieur Aronnax, les diverses dimensions du bateau qui vous porte. C'est un cylindre très allongé, à bout conique. Il affecte sensiblement la forme d'un cigare. Forme déjà adoptée à Londres dans plusieurs constructions du même genre. La longueur de ce cylindre, de tête en tête, est exactement de 70 mètres et son beau. À sa plus grande largeur est de 8 mètres. Il n'est donc pas construit tout à fait au dixième comme vos steamers de grande marche, mais ses lignes sont suffisamment longues et sa coulée assez profonde pour que l'eau déplacée s'échappe aisément et n'oppose aucun obstacle à sa marche. Ces deux dimensions vous permettent d'obtenir par un simple calcul la surface et le volume du Nautilus. Sa surface comprend 1011 mètres carrés et 45 centièmes. Son volume 1500 mètres cubes et 2 dixièmes. Ce qui revient à dire qu'entièrement immergé, il déplace ou pèse 1500 mètres cubes ou tonneaux. Oui, Nautilus! Oui, c'est le Nautilus. Ah bah là, il est dans le Nautilus, on décrit tout l'intérieur du Nautilus. Hein. Si tu veux pouvoir... Je suis sûr qu'on peut refaire les plans du Nautilus, on peut redessiner le Nautilus avec la description qu'il a fait. Lorsque j'ai fait les plans de ce navire destiné à une navigation sous-marine, j'ai voulu qu'en équilibre dans l'eau, il plongeât des 9 dixièmes et qu'il émergeât d'un dixième seulement. Par conséquent, il ne devait déplacer dans ces conditions que les 9 dixièmes de son volume, soit 1356 mètres cubes et 48 centièmes, c'est-à-dire ne peser que ce même nombre de tonneaux. J'ai donc dû ne pas dépasser ce poids en le construisant suivant les dimensions susdites. Ah oui, t'as tout. T'as le carnet de bord, t'as les plans du Nautilus. C'est la classe. Le Nautilus se compose de deux coques. L'une intérieure, l'autre extérieure, réunie entre elles par des fers en T qui lui donnent une rigidité extrême. En effet, grâce à cette disposition cellulaire, il résiste comme un bloc, comme s'ils étaient pleins. Son bordé ne peut céder,
il adhère par lui-même et non par le serrage dérivé, et l'homogénéité de sa construction, due au parfait assemblage des matériaux, lui permet de défier les mers les plus violentes. Ces deux coques sont fabriquées en tôle d'acier dont la densité par rapport à l'eau est de 7,8 dixièmes. La première n'a pas moins de 5 cm d'épaisseur et pèse 394 tonneaux 96 centièmes. La seconde enveloppe, la quille, haute de 50 cm et large de 25, pesant à elle seule 62 tonneaux. La machine, le lest, les divers accessoires et aménagements, les cloisons et les étrésillons intérieurs ont un poids de 960 et un tonneau 62 centièmes, qui, ajouté aux 394 tonneaux et 96 centièmes, forme le total exigé de 1356 tonneaux et 48 centièmes. Est-ce entendu ? En tout cas, c'est précis. C'est entendu, répondis-je. Donc, reprit le capitaine, lorsque le Nautilus se trouve à flot dans ces conditions, il émerge d'un dixième. Or, si j'ai disposé des réservoirs d'une capacité égale à ce dixième, soit d'une contenance de 150 tonneaux et 72 centièmes, et si je les remplis d'eau, le bateau déplaçant alors 1507 tonneaux ou les pesant sera complètement immergé. C'est ce qui arrive, monsieur le professeur, c'est ce qui arrive. Ces réservoirs existent en abord dans les parties inférieures du Nautilus. J'ouvre des robinets. Ils se remplissent et le bateau, s'enfonçant, vient affleurer la surface de l'eau. Bien, capitaine, mais nous arrivons alors à la véritable difficulté. Que vous puissiez affleurer la surface de l'océan, je le comprends. Mais plus bas, en plongeant au-dessous de cette surface, votre appareil sous-marin ne va-t-il pas rencontrer une pression et par conséquent subir une poussée de bas en haut qui doit être évaluée à une atmosphère par 30 pieds d'eau, soit environ 1 kg par centimètre carré. Parfaitement, monsieur. Donc, à moins que vous ne remplissiez le Nautilus en entier, je ne vois pas comment vous pouvez l'entraîner au sein des masses liquides. Monsieur le professeur, répondit le capitaine Nemo, il ne faut pas confondre la statique avec la dynamique, sans quoi l'on s'expose à de graves erreurs. Il y a très peu de travail à dépenser pour atteindre les basses régions de l'océan car les corps ont une tendance à devenir fondriers. Suivez mon raisonnement. Je vous écoute, capitaine. Lorsque j'ai voulu déterminer l'accroissement de poids qu'il faut donner au Nautilus pour l'immerger, je n'ai eu à me préoccuper que de la réduction du volume que l'eau de mer éprouve à mesure que ses couches deviennent de plus en plus profondes. C'est évident, répondis-je. Or, si l'eau n'est pas absolument incompressible, elle est, du moins, très peu compressible. En effet, d'après les calculs les plus récents, cette réduction n'est que de 436 dix millionièmes par atmosphère ou par 430 pieds de profondeur. Je le savais. Non, je plaisante. S'agit-il d'aller à 1000 mètres ? Je tiens compte alors de la réduction du volume sous une pression équivalente à celle d'une colonne d'eau de 1000 mètres, c'est-à-dire sous une pression de 100 atmosphères. Cette réduction sera alors de 436 centièmes. Je devrais donc accroître le poids de façon à peser 1513 tonneaux 77 centièmes au lieu de 1507 tonneaux 2 dixièmes. L'augmentation ne sera conséquente que de 6 tonneaux 57 centièmes. Seulement, monsieur Aronnax, et le calcul est facile à vérifier. Vous avez entendu, le calcul est facile à vérifier, donc à vos stylos, et je veux vous fassiez les calculs. Or, j'ai des réservoirs supplémentaires capables d'embarquer 100 tonneaux. Je puis donc descendre à des profondeurs considérables. Lorsque je veux remonter à la surface et l'affleurer, il me suffit de chasser cette eau et de vider entièrement tous les réservoirs, si je désire que le Nautilus émerge du dixième de sa capacité totale. À ces raisonnements appuyés sur des chiffres, je n'avais rien à objecter. J'admets vos calculs, capitaine, répondis-je, et j'aurai mauvaise grâce à les contester, puisque l'expérience leur donne raison chaque jour. Mais je pressens actuellement en présence une difficulté réelle. Laquelle, monsieur ? Lorsque vous êtes par 1000 mètres de profondeur,
Les parois du Nautilus supportent une pression de 100 atmosphères. Si donc, à ce moment, vous voulez vider les réservoirs supplémentaires pour alléger votre bateau et remonter à la surface, il faut que les pompes vainquent cette pression de 100 atmosphères, qui est de 100 kg par centimètre carré de la... Une puissance... Que l'électricité seule pouvait me donner, se hâta de dire le capitaine Nemo. Je vous répète, monsieur, que le pouvoir dynamique de mes machines est à peu près infini. Les pompes du Nautilus ont une force prodigieuse. Et vous avez dû le voir, quand leurs colonnes d'eau se sont précipitées comme un torrent sur l'Abraham Lincoln. D'ailleurs, je ne me sers des réservoirs supplémentaires que pour atteindre des profondeurs moyennes de 1500 à 2000 mètres, et cela dans le but de ménager mes appareils. Aussi, lorsque la fantaisie me prend de visiter les profondeurs de l'océan à 2 ou 3 lieues au-dessous de sa surface, j'emploie des manœuvres plus longues, mais non moins infaillibles. Lesquelles, capitaine ? Demandai-je. Ceci m'amène naturellement à vous dire comment se manœuvre le Nautilus. Je suis impatient de l'apprendre, bien évidemment. Pour gouverner ce bateau sur tribord, sur bâbord, pour évoluer en un mot, suivant un plan horizontal, je me sers d'un gouvernail ordinaire à large safran, fixé sur l'arrière de l'étambot, et qu'une roue et des palans font agir. Mais je puis aussi mouvoir le Nautilus de bas en haut et de haut en bas, dans un plan vertical, au moyen de deux plans inclinés, attachés à ses flancs sur son centre de flottaison, plan mobile, apte à prendre toutes les positions, et qui se manœuvre de l'intérieur au moyen de leviers puissants. Ces plans sont-ils maintenus parallèles au bateau ? Celui-ci se meut horizontalement. Sont-ils inclinés ? Le Nautilus, suivant la disposition de cette inclinaison, est sous la poussée de son hélice. Ou s'enfonce suivant une diagonale aussi allongée qu'il me convient, ou remonte suivant cette diagonale. Et même si je veux revenir plus rapidement à la surface, j'embraye l'hélice, et la pression des eaux fait remonter, verticalement, le Nautilus comme un ballon, qui, gonflé d'hydrogène, s'élève rapidement dans les airs. Bravo, capitaine, m'écriai-je, mais comment le timonier peut-il suivre la route que vous lui donnez au milieu des eaux ? Le timonier est placé dans une cage vitrée qui fait saillie à la partie supérieure de la coque du Nautilus et que garnissent des vers lenticulaires. Des vers capables de résister à de telles pressions ? Parfaitement, le cristal, fragile au choc, offre cependant une résistance considérable. Dans des expériences de pêche à la lumière électrique faites en 1864, au milieu des mers du Nord, on a vu des plaques de cette matière, sous une épaisseur de 7 mm seulement, résister à une pression de 16 atmosphères, tout en laissant passer de puissants rayons calorifiques qui lui répartissaient inégalement la chaleur. Or, les vers dont je me sers n'ont pas moins de 21 cm à leur centre, c'est-à-dire 30 fois cette épaisseur. Admis, capitaine Nemo, mais enfin, pour voir, il faut que la lumière chasse les ténèbres, et je me demande comment au milieu de l'obscurité des eaux, en arrière de la cage du timonier, est placé un puissant réflecteur électrique dont les rayons illuminaient la mer à un demi-mille de distance. Ah ! Bravo ! Trois fois bravo ! Capitaine, je m'explique maintenant cette phosphorescence du prétendu narval, qui a tant intrigué les savants. À ce propos, je vous demanderai si l'abordage du Nautilus et du Scotia, qui a eu un si grand retentissement, a été le résultat d'une rencontre fortuite. Purement fortuite, monsieur. Je naviguais à 2 mètres au-dessous de la surface des eaux quand le choc s'est produit, et j'ai d'ailleurs vu qu'il n'avait eu aucun résultat fâcheux. Aucun, monsieur. Mais quant à votre rencontre avec l'Abraham Lincoln... Monsieur le professeur, j'en suis fâché pour l'un des meilleurs navires de cette brave marine américaine, mais on m'attaquait et j'ai dû me défendre. Je me suis contenté toutefois de mettre la frégate hors d'état de nuire. Elle ne sera pas gênée de réparer ses avaries au port le plus prochain. Ah, commandant, m'écriai-je avec conviction, c'est vraiment un merveilleux bateau que votre Nautilus. Oui, monsieur le professeur, répondit avec une véritable émotion le capitaine Nemo, et je l'aime comme la chair de ma chair. Si tout est danger sur un de vos navires soumis au hasard de l'océan, si sur cette mer, la première impression est le sentiment de l'abîme, comme l'a si bien dit le Hollandais Janssen au-dessous et à bord du Nautilus, le cœur de l'homme n'a plus rien à redouter.
pas de déformation à craindre, car la double coque de ce bateau a la rigidité du fer, pas de gréement que le roulis ou le tangage fatigue, pas de voile que le vent emporte, pas de chaudière que la vapeur déchire, pas d'incendie à redouter puisque cet appareil est fait de tôle et non de bois, pas de charbon qui s'épuise, puisque l'électricité est son agent mécanique, pas de rencontre à redouter, puisqu'il est seul à naviguer dans des eaux profondes, pas de tempête à braver, puisqu'il trouve à quelques mètres au-dessous des eaux l'absolue tranquillité. Voilà, monsieur, voilà le navire par excellence. Et s'il est vrai que l'ingénieur ait plus de confiance dans le bâtiment que le constructeur, et le constructeur plus que le capitaine lui-même, comprenez donc avec quel abandon je me fie à mon Nautilus, puisque j'en suis tout à la fois le capitaine, le constructeur et l'ingénieur. » Le capitaine Nemo parlait avec une éloquence entraînante. Le feu de son regard, la passion de son geste le transfiguraient. Oui, il aimait son navire comme un père aime son enfant. Mais une question, indiscrète peut-être, se posait naturellement et je ne pus me retenir de la lui faire. « Vous êtes donc ingénieur, capitaine Nemo ?»« Oui, monsieur le professeur, me répondit-il. J'ai étudié à Londres, à Paris, à New York, du temps que j'étais un habitant des continents de la Terre. Mais comment avez-vous pu construire en secret cet admirable Nautilus ?»« Chacun de ces morceaux, monsieur Aronnax, m'est arrivé d'un point différent du globe, et sous une destination déguisée. Sa quille a été forgée au Creusot, son arbre d'hélice chez Penn et Compagnie, de Londres, les plaques de tôle de sa coque chez Leard de Liverpool, son hélice chez Scott de Glasgow. Ses réservoirs ont été fabriqués par Kay et Compagnie de Paris, sa machine par Krupp en Prusse, son éperon dans les ateliers de Motala en Suède, ses instruments de précision chez Frères de New York, et ainsi de suite. Et chacun de ses fournisseurs a reçu mes plans sous des noms divers. Mais, repris-je, ces morceaux ainsi fabriqués, il a fallu les monter, les ajuster. Monsieur le professeur, j'avais établi mes ateliers sur un îlot désert, en plein océan. Là, mes ouvriers, c'est-à-dire mes braves compagnons que j'ai instruits et formés, et moi, nous avons achevé notre Nautilus, puis l'opération terminée, le feu a détruit toute trace de notre passage sur cet îlot que j'aurais fait sauter si je l'avais pu. Alors il m'est permis de croire que le prix de revient de ce bâtiment est excessif. Monsieur Aronnax, un navire en fer coûte 1125 francs par tonneau. Or le Nautilus en jauge 1500. Il revient donc à 1687 000 francs. Soit 2 millions, y compris son aménagement, soit 4 ou 5 millions avec les œuvres d'art et les collections qu'il renferme. Une dernière question, capitaine Nemo. Faites, monsieur le professeur. Vous êtes donc riche? Riche à l'infini, monsieur, et je pourrais sans me gêner payer les 10 milliards de dettes de la France. Ça serait bien, ça. Je regardais fixement le bizarre personnage qui me parlait ainsi. Abusait-il de ma crédulité? L'avenir devait me l'apprendre. Fin du chapitre 13. Est-ce que vous voulez un dernier chapitre? Ça marche. Allez, on va faire un dernier chapitre. Le dernier chapitre pour ce soir, ça sera le chapitre 14, le fleuve noir. Vous avez le droit de dire non. Hein. Alors, la portion du globe terrestre occupée par les eaux est évaluée à 3 832 558 myriamètres carrés, soit plus de 38 millions d'hectares. Cette masse liquide comprend 2 250 millions de mille cubes et formerait une sphère d'un diamètre de 60 lieues dont le poids serait de 3 quintillions de tonneaux.
Ah bah pour comprendre les chiffres, oui, il faut au moins un calva. Franchement, il y a beaucoup beaucoup de chiffres. Et pour comprendre ce nombre, il faut se dire que le quintillion est au milliard ce que le milliard est à l'unité, c'est-à-dire qu'il y a autant de milliards dans un quintillion que d'unités dans un milliard. Or, cette masse liquide, c'est à peu près la quantité d'eau que verseraient tous les fleuves de la Terre pendant 40 000 ans. Durant les époques géologiques, à la période du feu succéda la période de l'eau. L'océan fut d'abord universel, puis, peu à peu, dans les temps siluriens, des sommets de montagnes apparurent, des îles émergèrent, disparurent sous les déluges partiels, se montrèrent à nouveau, se soudèrent, formèrent des continents et enfin les terres se fixèrent géographiquement telles que nous les voyons. Le solide avait conquis sur le liquide 37 657 000 carrés, soit 12 916 millions d'hectares. La configuration des continents permet de diviser les eaux en cinq grandes parties. L'océan glacial arctique, l'océan glacial antarctique, l'océan indien, l'océan atlantique, l'océan pacifique. L'océan pacifique s'étend du nord au sud entre les deux cercles polaires, et de l'ouest à l'est entre l'Asie et l'Amérique sur une étendue de 145 degrés en longitude. C'est la plus tranquille des mers. Ses courants sont larges et lents, ses marées médiocres, ses pluies abondantes. Tel était l'océan que ma destinée m'appelait à bord, oula, tel était l'océan que ma destinée m'appelait d'abord à parcourir dans les plus étranges conditions. Monsieur le professeur, me dit le capitaine Nemo. Nous allons, si vous le voulez bien, relever exactement notre position et fixer le point de départ de ce voyage. Il est midi moins le quart, je vais remonter à la surface des eaux. Le capitaine pressa trois fois un timbre électrique. Les pompes commencèrent à chasser l'eau des réservoirs. L'aiguille du manomètre marqua par les différentes pressions le mouvement ascensionnel du Nautilus, puis elle s'arrêta. « Nous sommes arrivés, » dit le capitaine. Je me rendis à l'escalier central qui aboutissait à la plateforme. Je gravis les marches de métal et, par les panneaux ouverts, j'arrivais sur les parties supérieures du Nautilus. La plateforme émergeait de 80 cm seulement. L'avant et l'arrière du Nautilus présentaient cette disposition fusiforme qui le faisait justement comparer à un long cigare. Je remarquai que ces plaques de tôle imbriqués légèrement, ressemblaient aux écailles qui revêtent le corps des grands reptiles terrestres. Je m'expliquais donc très naturellement que, malgré les meilleures lunettes, ce bateau eût toujours été pris pour un animal marin. Vers le milieu de la plateforme, le canot, à demi engagé dans la coque du navire, formait une légère extumescence. En avant et en arrière s'élevaient deux cages de hauteur médiocre, à parois inclinées et en partie fermées par d'épais verres lenticulaires. L'une destinée au timonier qui dirigeait le Nautilus, l'autre où brillait le puissant fanal électrique qui éclairait sa route. La mer était magnifique, le ciel pur. À peine si le long véhicule ressentait les larges ondulations de l'océan. Une légère brise de l'est ridait la surface des eaux. L'horizon, dégagé de brume, se prêtait aux meilleures observations. Nous n'avons rien en vue, pas un écueil, pas un îlot. Plus d'Abraham Lincoln, l'immensité déserte. Le capitaine Nemo, muni de son sextant, prit la hauteur du soleil. Il devait lui donner sa latitude. Il attendit pendant quelques minutes que l'astre vint affleurer le bord de l'horizon. Tandis qu'il observait, pas un de ses muscles ne tressaillait, et l'instrument n'eût pas été plus immobile dans une main de marbre. « Midi, » dit-il. « Monsieur le professeur, quand vous voulez. » Je jetai un dernier regard sur cette mer un peu jaunâtre des atterrages japonais, et je redescendis au grand salon. Là, le capitaine fit son point et calcula chronométriquement sa longitude, qu'il contrôla par des précédentes observations d'angle horaire, puis il me dit « Monsieur Aronnax, nous sommes par 137 degrés et 15 minutes de longitude à l'ouest. De quel méridien ? Demandai-je vivement, espérant que la réponse du capitaine m'indiquerait peut-être sa nationalité.
Monsieur, me répondit-il, j'ai divers chronomètres réglés sur les méridiens de Paris, de Greenwich et de Washington, mais en votre honneur, je me servirai de celui de Paris. Cette réponse ne m'apprenait rien. Je m'inclinai, et le commandant reprit. 37 degrés et 15 minutes de longitude à l'ouest du méridien de Paris, et par 30 degrés et 7 minutes de latitude nord, c'est-à-dire à 300 milles environ des côtes du Japon. C'est aujourd'hui 8 novembre, à midi, que commence notre voyage d'exploration sous les eaux. Dieu nous garde, répondis-je. Et maintenant, monsieur le professeur, ajouta le capitaine, je vous laisse à vos études. J'ai donné la route à l'est-nord-est par 50 mètres de profondeur. Voici des cartes à grands points où vous pourrez le suivre. Le salon est à votre disposition et je vous demande la permission de me retirer. Le capitaine Nemo me salua. Je restais seul, absorbé dans mes pensées. Tout se portait sur ce commandant du Nautilus. Saurais-je jamais à quelle nation appartenait cet homme étrange qui se vantait de n'appartenir à aucune. Cette haine qu'il avait vouée à l'humanité, cette haine qui cherchait peut-être des vengeances terribles, qui l'avait provoquée? Était-il un de ces savants méconnus, un de ces génies auxquels on a fait du chagrin, suivant l'expression de Conseil, un Galilée moderne ou bien un de ces hommes de science comme l'Américain Maury, dont la carrière a été brisée par des révolutions politiques? Je ne pouvais encore le dire. Moi, que le hasard venait de jeter à son bord, moi dont il tenait la vie entre les mains, il m'accueillait froidement, mais hospitalièrement. Seulement, il n'avait jamais pris la main que je lui tendais. Il ne m'avait jamais tendu la sienne. Une heure entière, je demeurais plongé dans ses réflexions, cherchant à percer ce mystère si intéressant pour moi. Puis mes regards se fixèrent sur le vaste planisphère étalé sur la table, et je plaçai le doigt sur le point même où se croisaient la longitude et la latitude observées. La mer a ses fleuves comme les continents, ce sont des courants spéciaux, reconnaissables à leur température, à leur couleur, et dont le plus remarquable est connu sous le nom de courant du Gulf Stream. La science a déterminé, sur le globe, la direction de 5 courants principaux. Un dans l'Atlantique Nord, un second dans l'Atlantique Sud, un troisième dans le Pacifique Nord, un quatrième dans le Pacifique Sud, et un cinquième dans l'océan Indien Sud. Il est même probable qu'un sixième courant existait autrefois dans l'océan Indien Nord, lorsque les mers Caspienne et d'Aral, réunies au grand lac de l'Asie, ne formaient qu'une seule et même étendue d'eau. Or, au point indiqué sur le planisphère, se déroulait l'un de ces courants, le Kuro Skibo des Japonais, le fleuve noir, qui sortit du golfe du Bengale où le chauffe les rayons perpendiculaires du soleil des tropiques, traverse le détroit de Malacca, prolonge la côte d'Asie, s'arrondit dans le Pacifique Nord jusqu'aux îles Aléoutiennes, charriant des troncs de camphrier et autres produits indigènes, et tranchant par le pur indigo de ses eaux chaudes avec les flots de l'océan. C'est ce courant que le Nautilus allait parcourir. Je le suivais du regard, je le voyais se perdre dans l'immensité du Pacifique, et je me sentais entraîné avec lui quand Ned Land et Conseil apparurent à la porte du salon. Mes deux braves compagnons restèrent pétrifiés à la vue des merveilles entassées devant leurs yeux. « Où sommes-nous ? Où sommes-nous ? » s'écria le Canadien, « au Muséum de Québec. » « S'il plaît à monsieur, » répliqua Conseil, « ce serait plutôt à l'hôtel du Sommerard. » « Mes amis, » répondis-je en leur faisant signe d'entrer, « vous n'êtes ni au Canada, ni en France, mais bien à bord du Nautilus, et... » à 50 mètres au-dessous du niveau de la mer. Il faut croire, monsieur, puisque monsieur l'affirme, répliqua Conseil, mais franchement, ce salon est fait pour étonner même un flamand comme moi. Étonne-toi, mon ami, et regarde, car pour un classificateur de ta force, il y a de quoi travailler ici. Je n'avais pas besoin d'encourager Conseil, le brave garçon, penché sur les vitrines, murmurait déjà des mots de la langue des naturalistes.
Classe des gastéropodes, famille des buccinoïdes, genre des porcelaines, espèce de cypre divisé à madagascariensis, etc. Pendant ce temps, Ned Land, assez peu conchiliologue, m'interrogeait sur mon entrevue avec le capitaine Nemo. Avais-je découvert qui il était, d'où il venait, où il allait, vers quelle profondeur il nous entraînait? Enfin, mille questions auxquelles je n'avais pas le temps de répondre. Je lui appris tout ce que je savais, ou plutôt tout ce que je ne savais pas, et je lui demandai ce qu'il avait entendu ou vu de son côté. « Rien vu, rien entendu, » répondit le Canadien. « Je n'ai pas même aperçu l'équipage de ce bateau. Est-ce que, par hasard, il serait électrique aussi, lui ?»« Électrique ?»« Par ma foi, on serait tenté de le croire. Mais vous, monsieur Aronnax, » demanda Ned Land, qui avait toujours son idée, « vous ne pouvez me dire combien d'hommes il y a à bord ? 10, 20, 50, 100 ?»« Je ne saurais vous répondre, maître Land. D'ailleurs, croyez-moi, abandonnez... pour le moment, cette idée de vous emparer du Nautilus ou de fuir. Ce bateau est un des chefs-d'œuvre de l'industrie moderne, et je regretterais de ne pas l'avoir vu. Bien des gens accepteraient la situation qui nous est faite, ne fût-ce que pour se promener à travers ces merveilles. Ainsi, tenez-vous tranquille et tâchons de voir ce qui se passe autour de nous. Voir ? S'écria le harponneur. Mais on ne voit rien, on ne verra rien de cette prison de tôle. Nous marchons, nous naviguons en aveugle. Ned Land prononçait ces derniers mots, quand l'obscurité se fit subitement, mais une obscurité absolue. Le plafond lumineux s'éteignit, et si rapidement que mes yeux en éprouvèrent une impression douloureuse, analogue à celle que produit le passage contraire des profondes ténèbres à la plus éclatante lumière. Nous étions restés muets, ne remuant pas, ne sachant quelle surprise, agréable ou désagréable, nous attendait. Mais un glissement se fit entendre. On eût dit que des panneaux se manœuvraient sur les flancs du Nautilus. « C'est la fin de la fin !» dit Ned Land. « Ordre des Hydroméduses !» murmura Conseil. Soudain, le jour se fit de chaque côté du salon, à travers deux ouvertures oblongues. Les masses liquides apparurent vivement éclairées par les effluences électriques. Deux plaques de cristal nous séparaient de la mer. Je frémis, d'abord, à la pensée que cette fragile paroi pouvait se briser. Mais de fortes armatures de cuivre la maintenaient et lui donnaient une résistance presque infinie. La mer était distinctivement visible dans un rayon d'un mille autour du Nautilus. Quel spectacle! Quelle plume le pourrait décrire? Qui saurait peindre les effets de la lumière à travers ces nappes transparentes et la douceur de ces dégradations successives jusqu'au coucher inférieur et supérieur de l'océan? On connaît la diaphanéité de la mer. On sait que sa limpidité l'emporte sur celle de l'eau de roche. Les substances minérales et organiques qu'elle tient en suspension, accroissement même sa transparence, dans certaines parties de l'océan, aux Antilles, 145 mètres d'eau laissent apercevoir le lit de sable avec une surprenante netteté, et la force de pénétration des rayons solaires ne paraît s'arrêter qu'à une profondeur de 300 mètres. Mais, dans ce milieu fluide que parcourait le Nautilus, l'éclat électrique se produisait au sein même des ondes. Ce n'était plus de l'eau lumineuse, mais de la lumière liquide. Si l'on admet l'hypothèse d'Ehrenberg, qui croit à une illumination phosphorescente des fonds sous-marins, la nature a certainement réservé pour les habitants de la mer l'un de ses plus prodigieux spectacles. Et j'en pouvais juger ici par les mille jeux de cette lumière. De chaque côté, j'avais une fenêtre ouverte sur ces abîmes inexplorés. L'obscurité du salon faisait valoir la clarté extérieure et nous regardions comme si ce pur cristal eût été la vitre d'un immense aquarium. Le Nautilus ne semblait pas bouger. C'est que les points de repère manquaient. Parfois, cependant, les lignes d'eau divisées par son éperon filaient devant nos regards avec une vitesse excessive. Émerveillés, nous étions accoudés devant ces vitrines.
et nul de nous n'avait encore rompu ce silence de stupéfaction quand Conseil dit « Vous vouliez voir, ami Ned, eh bien vous voyez. » Curieux, curieux, faisait le Canadien, qui, oubliant ses colères et ses projets d'évasion, subissait une attraction irrésistible, et l'on viendrait de plus loin pour admirer ce spectacle. « Ah ! M'écriai-je, je comprends la vie de cet homme. Il s'est fait un monde à part qui lui réserve ses plus étonnantes merveilles. Mais les poissons, fit observer le Canadien, je ne vois pas de poissons. » « Que vous importe, ami Ned, répondit Conseil, puisque vous ne les connaissez pas. Moi, un pêcheur ! S'écria Ned Land. » Et sur ce sujet, une discussion s'éleva entre les deux amis, car ils connaissaient les poissons, mais chacun d'une façon très différente. Tout le monde sait que les poissons forment la quatrième et dernière classe de l'embranchement des vertébrés. On les a très justement définis, des vertébrés à circulation double et à sang froid, respirant par des branchies et destinés à vivre dans l'eau. Ils composent deux séries distinctes, la série des poissons osseux, c'est-à-dire ceux dont l'épine dorsale est faite de vertèbres osseuses, et les poissons cartilagineux, c'est-à-dire ceux dont l'épine dorsale est faite de vertèbres cartilagineuses. Le Canadien connaissait peut-être cette distinction, mais Conseil en savait bien davantage. Et maintenant, lié d'amitié avec Ned, il ne pouvait admettre qu'il fût moins instruit que lui. Aussi lui dit-il « Ami Ned, vous êtes un tueur de poissons, un très habile pêcheur. Vous avez pris un grand nombre de ces intéressants animaux, mais je gagerais que vous ne savez pas comment on les classe. » « Si, répondit sérieusement le harponneur. On les classe en poissons qui se mangent et en poissons qui ne se mangent pas. » « Voilà une distinction de gourmand, répondit Conseil. Mais dites-moi si vous connaissez la différence qui existe entre les poissons osseux et les poissons cartilagineux. » « Peut-être bien, Conseil. Et la subdivision de ces deux grandes classes. Je ne m'en doute pas, répondit le Canadien. Eh bien, ami Ned, écoutez et retenez. Les poissons osseux se subdivisent en six ordres. Primo, les acanthoptérygiens, dont la mâchoire supérieure est complète. Mobile, et dont les branchies affectent la forme d'un peigne. Cet ordre comprend 15 familles, c'est-à-dire les trois quarts des poissons connus, type la perche commune. Assez bonne à manger, répondit Ned Land. Secondo, reprit Conseil. Les abdominaux, qui ont les nageoires ventrales suspendues sous l'abdomen et en arrière des pectorales, sans être attachées aux os de l'épaule, ordre qui se divise en cinq familles, et qui comprend la plus grande partie des poissons d'eau douce, type la carpe, le brochet. Pouf, fit le Canadien, avec un certain mépris. Des poissons d'eau douce. Tertio, dit Conseil, les subrachiens, dont les ventrales sont attachées sous les pectorales et immédiatement suspendues aux os de l'épaule. Cet ordre contient quatre familles. Type, pli, limande, turbo, barbu, sol, etc. Excellent, excellent, s'écrie l'harponneur, qui ne voulait considérer les poissons qu'au point de vue comestible. Quattro, reprit Conseil, sans se démonter, les apodes au corps allongé, dépourvus de nageoires ventrales, et revêtu d'une peau épaisse et souvent gluante. Ordre qui ne comprend qu'une famille, type l'anguille, le gymnote. Médiocre, médiocre, répondit Ned Land. Cinquièmement, dit Conseil, les lophobranches qui ont les mâchoires complètes et libres, mais dont les branchies sont formées de petites houppes disposés par paires le long des arcs branchiaux. Cet ordre ne compte qu'une famille. Type les hippocampes, les pégases dragons. Mauvais, mauvais, répliqua le harponneur. Sexto, enfin, dit Conseil, les plectognathes, dont l'os maxillaire est attaché fixement sur le côte de l'intermaxillaire, qui forme la mâchoire, et dont l'arcade palatine s'engraine par suture avec le crâne, ce qui la rend immobile, ordre qui manque de vrai ventral et qui se compose de deux familles, type
les tédrodons, les poissons-lunes. Bon, à déshonorer une chaudière, s'écria le Canadien. Avez-vous compris, ami Ned ? Demanda le savant Conseil. Pas le moins du monde, ami Conseil, répondit le harponneur. Mais allez toujours, car vous êtes très intéressant. Quant au poisson cartilagineux, reprit imperturbablement Conseil, ils ne comprennent que trois ordres. Tant mieux, fit Ned. Primo, les cyclostomes, dont les mâchoires sont soudées en un anneau mobile et dont les branchies s'ouvrent par des trous nombreux, ordre ne comprenant qu'une seule famille. Type, la lamproie. Faut l'aimer, répondit Ned Land. Segundo, les sélaciens, avec branchies semblables à celles des cyclostomes, mais dont la mâchoire inférieure est mobile. Cet ordre, qui est le plus important de la classe, comprend deux familles. Type, la raie et les squales. Quoi ? S'écria Ned, des raies et des requins dans le même ordre ? Eh bien, ami Conseil, dans l'intérêt des raies, je ne vous conseille pas de les mettre ensemble dans le même bocal. Tertio, répondit Conseil, les sturioniens, dont les branchies sont ouvertes, comme à l'ordinaire, par une seule fente garnie d'un opercule, ordre qui comprend quatre genres. Type, l'esturgeon. Ah, ami Conseil, vous avez gardé le meilleur pour la fin, à mon avis. Du moins, et c'est tout ? Oui, mon brave Ned, répondit Conseil, et remarquez que quand on sait cela, on ne sait rien encore, car les familles se subdivisent en genres, en sous-genres, en espèces, en variétés. Eh bien, ami Conseil, dit l'harponneur, se penchant sur la vitre du panneau, voici des variétés qui passent. Oui, des poissons, s'écria Conseil, on se croirait devant un aquarium. Non, répondis-je, car l'aquarium n'est qu'une cage, et ces poissons-là sont libres comme l'oiseau dans l'air. Eh bien, ami Conseil, nommez-les donc, disait Ned Land. Moi, répondit Conseil, je n'en suis pas capable, cela regarde mon maître. Et en effet, le digne garçon, classificateur enragé, n'était point un naturaliste, et je ne sais pas s'il aurait distingué un thon d'une bonite. En un mot, le contraire du Canadien, qui nommait tous ses poissons sans hésiter. Un baliste, avais-je dit, et un baliste chinois, répondait Ned Land. Genre des balistes, famille des sclérodermes, ordre des plectognathes, surmurmurait Conseil. Décidément, à eux deux, Ned et Conseil auraient fait un naturaliste distingué. Le Canadien ne s'était pas trompé. Une troupe de balistes à corps comprimé, à peau grenue, armés d'un aiguillon sur leur dorsale, se jouaient autour du Nautilus et agitaient les quatre rangées de piquants qui hérissent chaque côté de leur queue. Rien de plus admirable que leur enveloppe, grise par-dessus, blanche par-dessous, dont les taches d'or scintillaient dans le sombre remous des lames. Entre eux ondulaient des raies, comme une nappe abandonnée au vent, et parmi elles, j'aperçus, à ma grande joie, cette raie chinoise, jaunâtre à sa partie supérieure, rose tendre sous le ventre et munie de trois aiguillons en arrière de son œil, espèce rare et même douteuse au ton de lacépède, qui ne l'avait jamais vue que dans un recueil de dessins japonais. Pendant 2 heures, toute une armée aquatique fit escorte au Nautilus. Au milieu de leur jeu, de leur bond, tandis qu'ils rivalisaient de beauté, d'éclat et de vitesse, je distinguais le labre vert, le mule barberin marqué d'une double raie noire, le gobie éléotre à caudale arrondie, blanc de couleur et tacheté de violet sur le dos, le scombre japonais, admirable maquereau de ces mers, au corps bleu et à la tête argentée, de brillant azuror dont le nom seul importe toute description des spars rayés, aux nageoires variées de bleu et de jaune, des spars fassés relevés d'une bande noire sur leur caudale, des spars zonéphores élégamment corsetés dans leurs 6 ceintures, des holostones, véritables bouches en flûte ou bécasses de mer, dont quelques échantillons atteignaient une longueur d'un mètre, des salamandres du Japon, des murènes, longs serpents de 6 pieds, aux yeux vifs et petits et à la vaste bouche hérissée de dents.
notre admiration se maintenait toujours au plus haut point, nos interjections ne tarissaient pas. Ned nommait les poissons, Conseil les classait. Moi, je m'extasiais devant la vivacité de leurs allures et la beauté de leurs formes. Jamais il ne m'avait été donné de surprendre ces animaux vivants et libres dans leurs éléments naturels. Je ne citerai pas toutes les variétés qui passèrent ainsi devant nos yeux éblouis. Toute cette collection de mers du Japon et de la Chine, ces poissons accouraient, plus nombreux que les oiseaux dans l'air, attirés sans doute par l'éclatant foyer de lumière électrique. Subitement, le jour se fit dans le salon, les panneaux de tôle se refermèrent, l'enchanteresse vision disparut, mais longtemps, je rêvais encore, jusqu'au moment où mes regards se fixèrent sur les instruments suspendus aux parois. La boussole montrait toujours la direction au nord, nord-est. Le manomètre indiquait une pression de 5 atmosphères correspondant à une profondeur de 50 mètres, et le loch électrique donnait une marche de 15 000 à l'heure. J'attendais le capitaine Nemo, mais il ne parut pas l'horloge marquée. L'horloge marquait 5 heures. Ned Land et Conseil retournèrent à leur cabine, moi je regagnais ma chambre. Mon dîner s'y trouvait préparé. Il se composait d'une soupe à la tortue, faite des carrés les plus délicats, d'un surmulet à chair blanche, un peu feuilleté, dont la foie préparée à part fit un manger délicieux, et de filets de cette viande de l'odloquante empereur, dont la saveur me parut supérieure à celle du saumon. Je passai la soirée à lire, à écrire, à penser, puis, le sommeil me gagnant, je m'étendis sur ma couche de zostère et je m'endormis profondément pendant que le Nautilus se glissait à travers le rapide courant du fleuve noir. Fin du chapitre 14.